Et salut à tous amis gamers, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Arcage, probablement une des dernières vidéos que je vais sortir sur ce MMO. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon build en tank archer. Alors, en tant qu'archer flèche de pierre, je sais que c'est une classe qui est très puissante, mais malgré tout, je pense que je m'en sors pas trop mal, et donc j'ai envie de vous livrer quelques tips et astuces à effectuer à la fois en tant que flèche de pierre et également en tant qu'archer de manière général. J'espère que cette vidéo va vous être utile et qu'elle va vous plaire. Sans plus attendre, c'est parti! Et donc je vous propose de commencer par le commencement, c'est-à-dire que je vais vous expliquer un petit peu mon build et pourquoi ce choix-là. Alors tout d'abord, je suis Stone Arrow. Stone Arrow, ça ne vous a pas échappé, c'est une classe d'archer qui est beaucoup plus tanky, qui pour ma part je trouve est plus dynamique que l'archer de base, puisque vous avez également plus de CC, plus de sorts à faire au corps à corps. Et donc c'est une classe qui je trouve bouge plus et va un petit peu plus loin que juste lancer 3 flèches en permanence. Alors cette classe de Stone Arrow est jugée comme étant une classe très forte, à raison, mais ce n'est pas la seule classe très forte sur le jeu et il y en a beaucoup d'autres. Il y a eu pas mal de modifications au niveau de l'archer, maintenant vous avez le tir stable que vous devrez faire assez régulièrement. Attention, le tir stable baisse toutes vos stats défensives. De ce fait, vous allez l'activer, envoyer la salve de 3 flèches enflammées et pensez par la suite à le désactiver. Sauf si vous êtes bien entendu en PvE ou hors de portée de votre adversaire. Pensez également à utiliser le piège avec intelligence. Il y a très peu d'archers qui s'en servent, alors que c'est vraiment un must-have. Vous pourrez vous placer dans le dos de votre adversaire, il ne pourra plus faire de blocage ou parade. La flèche pourfendeuse est une nouveauté, elle permet de décaster un adversaire et de le repousser afin de tenir une bonne distance. La percutante était déjà là, mais maintenant elle fait un effet de silence au lieu d'entrave. Ruse du chasseur est un très bon buff, mais malheureusement on a très peu de points de sort, donc je ne le prends pas. Il permet de reset à la fois le CD du piège et de la flèche pourfendeuse. Et quand vous serez en CD sur tous vos spells, vous pourrez spam la flèche infinie. Au niveau des passifs, ils sont tous à prendre, il y a eu quelques modifications, notamment le tout dernier passif, qui maintenant augmente vos dégâts si vous gardez une très bonne distance de 25 mètres, le plus proche possible de 25 mètres. Et donc c'est pas si facile que ça à placer, mais en repoussant votre adversaire, en le piégeant et en vous servant bien du recul, vous y arriverez. En tant qu'assassin maintenant, il y a pas mal de sorts qui ont été modifiés et il y a moins de synergie avec l'archer je trouve, mais il y a quand même quelques must-have tels que le recul, les armes empoisonnées qui vous permettent de baisser le soin reçu de la cible et également de mettre un effet qui pourra permettre d'entraver la cible, mais c'est pas votre seul sort d'entrave. En tant que flèche de pierre, vous avez la charge de taureau. Alors moi j'ai une préférence pour la charge de taureau par rapport à la frappe obscure, tout simplement parce que même si la frappe obscure a un CD plus court, elle demande d'empoisonner la cible pour avoir l'effet d'entrave. Alors que la charge de taureau, vous pouvez le balancer directement sur votre adversaire. Imaginons que quelqu'un arrive à vous mettre au sol par surprise, vous claquez directement votre charge de taureau et donc vous pourrez l'entrave directement. Alors là à l'écran, je mettais quelques petits points, je faisais quelques modifications. Mais grossièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous expliquer tous les sorts. Je vous rappelle que c'est un petit peu de post-commentary. Alors, du point de vue des spells, vous avez d'autres sorts intéressants. Vous avez notamment la marque de tracker, qui en général, vous allez placer au tout début de votre combo. Si vous voyez ma barre de sort en bas, j'enchaîne marque du tracker, tir stable, je lance mes 3 flèches enflammées, mon trait chargé. Et ensuite, en fonction de la situation, et je vais vous montrer tout ça après en arène, eh bien, vous allez voir qu'il y a des choses qui changent. Alors, les deux passifs que je prends d'assassin, c'est le premier et le troisième. Le premier, c'est la vitesse d'attaque, et le troisième est un must-have, et bien souvent, les gens ne le comprennent pas trop. Chaque fois que vous allez être en fufu, pendant une seconde, vous allez stacker des marges de... des packs de soif de sang, des stacks de soif de sang, et si vous restez 10 secondes en fufu, vous allez obtenir 30% de damage en plus. Donc l'objectif est de rester 10 secondes en fufu au minimum, et de profiter d'un bon bonus de damage. En tant que protecteur, vous avez pas mal de sorts useful, la redoute qui vous permet de ne plus être trébuché, d'avoir un meilleur taux de blocage. Vous avez également le repos qui vous permet de ne plus être empalé, d'avoir un gain de PV également, et de stocker un petit peu plus de stack de courage. Vous avez également l'endurcissement qui vous permet d'avoir une petite régène et surtout de buff drastiquement votre rugissement orgueilleux. Le rugissement orgueilleux, c'est un gros damage dealer en tant que spell, et ça permet également de snare, de réduire les soins effectués par la scie, donc très bien pour counter les healers. Et vous avez également l'acclamation revitalisante qui va vous soigner et vous destun. Donc je vous propose de commencer dans l'ordre. En fait, j'ai fait une session d'arène pour justement au mieux argumenter cette vidéo. Donc la première arène, vous allez le voir, je suis tombé contre Iri, qui a un stuff plus ou moins équivalent au mien, peut-être avec un petit peu moins de gemmes. Mais en tout cas, je sais qu'il était dans ma guilde et que bien qu'il n'était pas très actif au sein de ma guilde, je sais qu'il jouait pas mal et qu'il farmait assez son stuff.
Donc sa classe, j'ai même pas pris note de ce que c'était. Ça a l'air d'être un mix entre physique et magique. Ça m'a pas paru très efficace en tout cas. Alors je sais ce que certains vont dire, que je jouais avec le pet en arène, mais quasiment tous ceux qui jouent l'arène sortent le pet, donc je n'ai absolument aucun choix de ce côté-là. Alors comment counter les gens qui veulent dash sur vous avec des spells magiques? Le plus simple en fait, c'est que vous gardiez au maximum la distance de votre adversaire, et au moment où celui-ci veut dash sur vous, vous claquez la flèche pourfendeuse. La flèche pourfendeuse vous permet de repousser, de décasse, et vous enchaînez dans la foulée obligatoirement par une flèche percutante. Ça permet de silence instantanément une cible. Alors bien entendu, il y a beaucoup d'autres choses à savoir. Quand un adversaire fufu, le mieux c'est d'essayer de le brain, parce que c'est voilà, s'il a claqué des buffs, vous faites le fufu, s'il a pas claqué de buff, voilà. Si la cible a des sorts corps à corps, et bien essayez de claquer une entrave de temps en temps. Donc là, vous voyez, pour fondeuse, on enchaîne sur la percutante. Je vais au corps à corps pour lui mettre un coup de bouclier, parce que sa classe joue également avec des spells corps à corps. Lorsque vous claquez le piège, mettez-vous vraiment à distance le maximum pour vous bénéficier du dernier passif, et dans son dos, de cette manière, il ne pourra rien bloquer. La seconde arène, je me suis retrouvé contre un archer qui, pour le coup, m'avait plutôt surpris dans la première manche de par son burst. Donc en fait, normalement contre les archers, mais bon, on peut pas trop savoir en avance contre quel type d'adversaire on est, je prends le grapp au lieu de prendre l'acclamation revitalisante. Les archers ne font pas spécialement de stun, il n'y a pas besoin spécialement de claquer une grosse régène contre eux, plutôt du gros dégât. Et pourquoi le grapp? Ça me permet tout simplement de l'attirer directement sur moi, de le piège et de l'entraver également dans la foulée si besoin. Et ça me permet ensuite de le burst tout simplement dans son dos. Donc là pour le coup, je n'avais pas pris le grapp et je me suis vraiment laissé surprendre par son burst. Alors j'ai réussi quand même à m'en sortir parce que je le reconnais, j'ai mon pet et pas lui dans la première manche. Donc là vous voyez, hein, j'arrive. Donc encore une fois, il faut refresh constamment le poison. Personnellement, je les bind sur une touche de ma souris. Donc j'ai voulu envoyer la sauce, mais là, le burst qui m'a envoyé dans la face, je l'avais pas vu venir. Parce que je le rappelle, tir stable, ça vous empêche de pas mal de stats défensives. Et ça a claqué vraiment si votre adversaire ne peut pas taper. J'avais sous-estimé mon adversaire dans ce cas-là. Et la seconde manche, vous allez le voir, bah, cette fois-ci, je me suis pas vraiment laissé avoir. Donc, il s'est mis en fufu, je me mets en fufu, je mets le pet en attente. Je reste à côté du pet, alors je fais pas toujours cela hein, pour ceux qui veulent essayer un petit peu de me counter, mais de temps en temps je fais ça parce que les gens justement s'attendent à ce que je sois loin de mon pet, que je ne sois pas à côté. Alors de temps en temps je reste un petit peu à côté du pet histoire de brain mes adversaires. Ça marche plutôt bien, hein. Il y a des gens qui utilisent beaucoup le pet et qui au final ne font pas forcément de move avec ou ne font pas trop attention à leur placement. Donc là il m'empêche ma target, j'ai eu un petit lag, le piège est parti quand même, tant pis. Donc je ne claque absolument pas le tir stable, ce serait une erreur, j'attends qu'il balance son burst, là je passe en tir stable. Et l'erreur qu'il a fait, bah, c'est d'essayer de claquer la flèche percutante. Parce que c'est un long cast, et le temps de son cast avec le tir stable, bah, je l'avais déjà ouvert en 4. Alors la quatrième arène, je me suis retrouvé contre un classique healer en fait, qui pense que l'arène normalisée, enfin l'arène gladiateur, c'est comme l'arène normalisée. C'est-à-dire que les healers sont broken. Donc il a tenté de sortir son pet au départ, donc tout de suite moi je passe en focus sur son pet. Et ensuite j'ai commencé à faire la repousse pour le décasse, le silence, commencer à l'affaiblir. Donc je le piège, histoire tout simplement, au départ je pensais qu'il allait s'enfuir mais en fait pas du tout. Donc je DPS tranquillement dessus, il me met en bulle et il tente ensuite de passer sur mon pet. Il se rend compte qu'il fait pas spécialement de dégâts dessus et je sais pas s'il a pensé pouvoir le tomber comme ça mais non. Donc instantanément j'ai claqué le rugissement orgueilleux pour pouvoir baisser ses capacités de soins. Il m'a fear, ce qui m'a un petit peu bloqué dans ce que je voulais faire, mais c'est pas grave, donc je le repiège, je passe dans son dos histoire de lui envoyer la sauce, et là je passe en tir stab et justement j'envoie cette fameuse sauce, il essaie de se spam heal, et je termine histoire d'être sûr sur une percutante qui je le rappelle silence au passage. Donc en fait quand vous tombez contre des gens qui jouent healer à ce bot heal comme ça ou quoi, l'objectif c'est de commencer à les affaiblir, que pendant qu'ils sont un petit peu affaiblis et qu'ils prennent un petit peu la confiance, vous leur claquez un rugissement orgueilleux plus un piège, vous passez dans leur dos et vous envoyez la sauce. De cette manière il sera très diminué en heal, il sera également impossible pour lui de faire des blocages ou des parades dans son dos, et ensuite il arrivera plus du tout à se remettre en place, un petit silence derrière et le tour est joué. Donc là je l'engage au silence pour éviter la bulle piège, je le piège, je passe dans son dos, je passe en tir stable et j'envoie directement la sauce. Donc il a pris quand même relativement cher, j'enchaîne sur un rugissement orgueilleux, il ne peut pas se heal beaucoup. Donc là il a claqué quelques heals et vous voyez ça régène pas grand chose. Et je le termine tranquillement avec quelques flèches. Donc l'arène qui va suivre est une arène dans laquelle j'ai un petit peu plus sué du cul puisque je suis tombé contre une classe
qui eh bien, me met un petit peu mal en général quand je la rencontre, c'est le lame occulte. Le lame occulte, c'est la combinaison guerrier, assassin et sorcier. Et en fait, si j'ai du mal contre cette classe, c'est tout simplement parce que même si j'ai un anti-trébuchement, un anti-empalement, eh bien contre les sorciers, je suis très vulnérable. Je n'ai pas d'anti-dodo, je n'ai pas non plus d'anti-fear. Et de ce fait, eh bien, il peut me placer des combos assez facilement si je ne suis pas assez réactif. Alors ce lame occulte, il joue très bien, hein. Vraiment, il m'a donné beaucoup de mal. Alors le premier réflexe qu'il a eu est très bon, hein. Il a des très bons dégâts à mon avis, d'avoir un stuff pas si dégueulasse que ça, c'est qu'il a burst directement mon loup. Et c'est ce qu'il faut faire, quand les gens sortent les pets, je fais la même chose. Tout de suite après, il a réussi à me fear parce que j'ai très mal joué, j'ai réussi quand même à me rattraper avec un petit piège, ce qui m'a permis de mettre un petit peu de distance, mais bon, tant bien que mal. Je me suis déstun avec l'acclamation retentissante, ce qui m'a soigné un petit peu, je le reconnais, je popote également hein, sur ce combat, mais c'est pas des grosses popos, les gens popotent avec beaucoup plus gros, et lui aussi, vous allez le voir, dans l'autre manche, va popoter, ce qui est tout à fait logique, en fait, la popo de base n'est pas du tout proscrite, on va dire, là où ça commence à être un peu dans par un sens, c'est qu'on se des popos pay to win. Donc finalement, je l'ai fini, en le kitant de manière assez classique en tant qu'archer, je pense qu'il avait plutôt mal joué au final, il avait bien engage, mais que derrière, il avait plutôt mal joué, parce qu'il aurait clairement pu me défoncer avec un engage comme ça, mais il m'a laissé le piège beaucoup trop facilement. Donc là, il se met en fufu, je sors un autre pet qui sert à rien, juste histoire de détourner son attention, je claque également la fufu. Et dans ma tête, là, la seule chose que je me dis, c'est cette fois-ci, il faut pas que je me laisse engage comme je l'ai fait à la manche précédente. De ce fait, je vais être beaucoup plus prudent et essayer de claquer la redoute de manière intelligente dès le début du fight, voilà, parce que je sais que c'est quelqu'un qui est très agressif et qui va forcément venir me sauter dessus vu ce que j'ai vu la manche d'avant. Donc là, je le pilonne, ce qui est, je sors de très très bon crit, parce qu'il malheureusement pour lui, il a mis son buff parade beaucoup trop tard. Je le silence, il arrive à me dodo. Donc là, je sais qu'il va me mettre très très cher. Bon réflexe de sa part, il vient dans mon dos, après le fear. Donc là, les crits commencent à arriver. Malheureusement pour lui, il n'a pas sorti de si gros dégâts, mais il arrive quand même à me remettre au sol. Il esquive mon piège à cause d'un manqué. Il me termine in extremis. Avec vraiment un poil de cul de PV, sachant que j'avais l'entrave, le piège et pas mal d'autres sorts de disponibles. Donc c'est le seul qui m'a battu depuis le reset de saison, j'ai enchaîné 100% de win rate depuis. Et la deuxième manche, et eh bien cette fois-ci j'ai encore mal joué au niveau langage, il a réussi à me fear, mais je sais pas pourquoi il a pas réussi à placer son combo, je sais pas ce qui lui est arrivé. J'ai chié dans la colle avec mon piège, j'ai réussi directement à le repousser histoire de le silence. Il a tenté une fufu, il se cache derrière le mur, chose que beaucoup de gens font, dont j'ai horreur, mais que je counter assez facilement en posant un piège et en mettant deux flèches. Là, je l'ai juste bait, ce qui a fonctionné. Donc j'ai claqué mes stacks de courage pour le taunt, ce n'est pas passé, j'ai mis quelques flèches, et là je suis passé en mode kiting no brain. Donc j'ai claqué un piège, par réflexe je vais directement dans son dos, histoire de taper un petit peu, mais bon j'étais endormi. Snare à l'occasion. Il s'est fail avec une auto-attaque, ce qui m'a réveillé malheureusement pour lui. Je l'ai entrave dans la foulée et je l'ai terminé assez facilement. Alors, l'arène suivante, je suis tombé contre une classe très jouée, donc l'exécutionnaire, hein, exécutionneur. Donc, c'est une classe guerrier-assassin-nécromant. Donc, l'utilité de cette classe, c'est en fait de pouvoir avoir un bon dégât corps à corps tout en ayant un minimum de contrôle avec Nécro. Il sort son pet, donc l'objectif initial c'est de burst son pet. Malheureusement, il a tenté l'empalement, alors je suis immunisé en tant que protecteur. Il y a énormément de gens qui font cette erreur là. Je claque le piège directement par réflexe, je l'entrave dans la foulée parce qu'il était tourné vers moi. Je le repousse, j'allais claquer le silence, mais il a mis sa prison d'os. Pas de chance pour lui, hein, il a voulu m'enfermer avec lui, ça n'a pas fonctionné. Donc je le tape tranquillement, je claque mes stacks de courage, j'en avais un petit peu. Histoire de le snare, de le ralentir, mon loup dans la foulée le met au sol, j'en profite, et je le finis assez facilement. Alors il a un GS inférieur au mien, hein, mais bon, encore une fois, je paye to win pas, je l'ai obtenu par mes propres moyens, donc il n'y a pas vraiment à essayer de me flame là-dessus. Par contre, ça a l'air d'être un joueur qui fait quand même un petit peu de PVP, voilà. Mais il a fait quand même pas mal d'erreurs, on peut le noter. Alors il y a ce full buff, mais malheureusement, il a foncé droit sur moi, donc je l'ai défufu instantanément, je le repousse, je le silence dans la foulée. De ce fait, il ne peut plus faire grand-chose. Je le piège à travers la prison d'os. J'en suis sorti par ce côté-là en même temps. Donc il n'a pas pris les pièges. Je le tape tranquillement. Il essaie de prendre un petit peu la fuite face à un archer. C'est pas forcément la meilleure des solutions. Enfin, c'est pas forcément la meilleure des postures à adopter. Et je le termine assez facilement, en fait, tout simplement.
Voilà, j'espère quand même que cette courte vidéo vous a plu. J'aurais voulu faire un truc beaucoup plus monté, comme à l'époque où je faisais des vidéos sur Blade and Soul, mais malheureusement, sur Rakdos, le jeu n'est pas trop propice au PvP d'arène. Il n'est pas trop propice au fait de pouvoir montrer des combos assez efficacement. Mais tout de même, j'espère vous avoir éclairé sur la manière de jouer un Flèche de Pierre sur différents aspects. Alors, je suis pas rentré dans le détail de tous les aspects à retenir, mais déjà si vous appliquez la plupart des choses et si vous comprenez par exemple, même si vous ne jouez pas Flèche de Pierre, qu'il faut pas faire d'empalement sur un Flèche de Pierre à moins de lui avoir désactivé son bouclier avec le spell de son craft, eh bien vous aurez déjà appris au moins deux ou trois choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous de passer une agréable soirée. Portez-vous bien, à très bientôt, et puis comme toujours, bon jeu.